tant que le frigo qui était là, ben, par la force de l'eau, il a emporté le frigo est tombé. Tout est... Des appareils renversés, des sols recouverts de boue. La crue du Gapo a dévasté tout un quartier. Évacués, les habitants ont découvert ce matin l'étendue des dégâts. Ce retraité a dû passer la nuit chez ses enfants. Toute la famille est venue donner un coup de main pour nettoyer sa maison. Il faut évacuer l'épaisse couche de boue et sortir le mobilier détrempé. Toute la maison est complètement dévastée par la boue, c'est la boue. Si ça avait été que de l'eau, c'était rien, mais que de la boue, que de la boue. Même constat chez le voisin, la boue a envahi toutes les pièces. Pourtant, la crue progressait lentement hier. Comment expliquer ces traces à plus d'un mètre du sol? Y a-t-il eu un lâcher d'eau sur le barrage en amont? Comment hier à midi, il n'y avait pas de vague et subitement, hier soir à 17h, il y a une vague? C'est assez surprenant. Des dégâts considérables, mais uniquement matériels. Pas de victimes sur la commune de hier. Dans ce quartier de l'Oratoire, une soixantaine de personnes a dû être évacuées, des familles, des personnes âgées, qui ont dû passer la nuit dans une salle du casino de la ville.